Aujourd'hui, l'objectif est de réaliser cette image que l'on voit, une animation, donc une onde qui anime sur l'eau. Donc, pour réaliser cette image, dans un premier temps, on va choisir une image d'un coucher de soleil. Ensuite, on va sélectionner la partie du haut qui sera l'image qui va refléter. Qui va se refléter sur l'eau. On va dans le menu Images, rogner la sélection. Ensuite, Filtre animation vague. Donc les paramètres amplitude, j'ai mis à 52, 51 et pour avoir des ondes assez conséquentes. Et un nombre de 20 images pour que ce soit un peu plus lent au niveau de l'animation. Ensuite, je valide. Donc ça va prendre un certain temps. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va créer une série de 20 images animées dans une nouvelle fenêtre GIMP. Voilà. Alors, une fois qu'on a nos images, on va retourner notre image miroir verticale. Ensuite, on va l'aplatir en réduisant la hauteur. Donc, normalement, à peu près un tiers de la hauteur, ça devrait aller. On va faire l'essai tout de suite. Là, il va mettre à l'échelle les 21 calques, une à une. Là, on voit le processus qui se déroule au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, on va dans la précédente fenêtre, tout sélectionner ou contrôle A, copier. Contrôle C. Ensuite, on va dans la fenêtre de l'animation. On va coller comme nouveau calque le haut et on va le placer au-dessus. On recule un peu. Ensuite, je vais ajuster le canevas au calque que l'on voit pas. Voilà. Ensuite, donc là, est-ce que il faut s'arranger pour que ce soit raccord. Je vais le mettre tout en bas. On va le descendre un peu. Il faut juste que ce soit raccord. Bon, après ça, c'est sensibilité de chacun. Donc ça n'a pas l'air trop mal. On va fusionner vers le bas. Et je vais recadrer. Donc là déjà, sur le côté, on voit qu'il y a... que c'est pas tout à fait parfait. Et ici... On va sélectionner à peu près ici, descendre légèrement, un peu ici, image, rogner selon la sélection. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à mettre nos amoureux au milieu de l'onde. Donc là, on avait une autre fenêtre ouverte. Donc là, plusieurs choix s'offrent à nous, donc un détourage, je vais le refaire vite fait donc avec l'aide de l'outil chemin. Contrôle et la molette, on reprend les. Là, je vais aller vite fait. On va faire ça vite fait comme ça, sans trop chercher la perfection.
C'est juste histoire de montrer un peu le principe. Tour la tête. Ensuite, les épaules. Sans. Ensuite, je vais descendre. Les pieds. Hop. Là, l'objectif normalement après ce sera de transformer le chemin en sélection. Alors, deux choix s'offrent à nous, soit on le transforme en masque de calque. Donc, contrôle et je relis le tout. Alors, sélection depuis le chemin. Voilà. Donc, deux choix s'offrent à nous. Soit on transforme en masse de calque, c'est ce que j'avais fait dans un autre test. Ou, là, je vais tester autre chose. Je vais adoucir. Je vais laisser à 5. Je vais inverser. Et je vais supprimer. Alors, attendez. Donc, il faut cliquer ajouter un canal à la fin d'abord. Ensuite. Je réappuie sur Supre. Et là, normalement, je devrais avoir quelque chose de pas trop mal. Je vais aller un peu vite, mais. Attendez. Il y a l'autre qui se superpose. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Alors. Clique-toi, sélection alpha, contrôle C ou copier. Ensuite, je vais dans ma fenêtre d'animation, coller comme nouveau calque. Voilà, j'essaie de déplacer. Alors, ils sont où? Ils sont là. Donc là, je fais clic droit, sélection. Alors, ce que je vais faire, je vais désélectionner, je vais cacher les autres calques pour pouvoir bien placer le couple au centre du tourbillon de l'onde. Hop. D'être pas mal. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je remonte chaque calque et je fais supra. Ainsi de suite. Le 19
Je vais fusionner vers le bas, le premier. Ensuite, normalement c'est terminé. Donc ensuite c'est terminé. Voilà. Alors ensuite, on va dans exporter les tests. Amoureux.gif exporter, donc là cocher comme animation loop forever en boucle, et là il faut bien sélectionner combiner, quel combiné, et ici utiliser normalement la spécification qu'on a mis. Exporter. Alors là, l'image est un peu grande, donc ça va prendre un certain temps. Mais sinon, on peut le redimensionner. Je vais le faire tout à l'heure. On peut le redimensionner à 1000 pixels. Ce qui sera pas mal. Voilà, c'est fait. Alors. On va ouvrir, on va voir le résultat. Voilà notre image. Un petit loupé. Alors, le loupé, on va le voir. Il se trouve. Là, pour voir où se trouve l'erreur. Je pense que c'est vers le premier. Ah oui, c'est ça. À la limite. D'accord. À la limite, ce qu'on peut faire pour rattraper, c'est faire ça. Donc, dupliquer, fusionner. Normalement, on n'a plus le. Voilà. On n'a plus. Ensuite, on va redimensionner, comme on a dit, les calques. Allez, je vais mettre à 1500. Exporter. Ça prend moins de temps, et du coup, donc l'effet est mieux. L'image, par contre, est un peu. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans Image Mode. Couleur indexée et faire au niveau tramage, voilà, donc sélectionner dans tramage des couleurs, couleurs qui déteignent moins, convertir, on refait, exporter, le résultat. C'est un peu mieux. Voilà, bon. Pendant notre temps, on peut encore améliorer le résultat, mais grosso modo, voilà l'idée. Je vous remercie.